Bonjour et bienvenue à Jouons à Zelda Wind Waker. La dernière fois, on allait aller chercher ce coffre-là. Non, oui, c'est vrai, il fallait aller voir Orca en premier. Hein. On va voir Orca, ce qu'il y a à nous dire. Faut s'y coucher. Hein. Après, si on sent d'aller chier, pas lui. Ah, il est réveillé, lui, on sait bien. Oh, Robert, tu n'es pas blessé! Pourquoi ne m'as-tu rien dit à propos d'Ariel? Tu as manqué de prudence. Depuis que tu es parti, notre île est devenue dangereuse, tu sais. J'ignore où tes pas t'ont porté, mais je te trouve bien endurci. L'expression de ton visage a changé. Allez, montre-moi un peu les progrès que tu as faits à la paix, d'accord? Oui, ouais, on pour le fun. Permets-moi de te dire que ton niveau est encore celui d'un débutant. Bien, essaie de me te frapper au moins 100 fois avant que je puisse te frapper 3 fois. Fait que là, faut juste l'attaquer. Ah, là, il m'a touché une fois. Voyons, c'est... C'est même pas ça que j'ai fait en plus. Je sais pas pourquoi ça a sauté par en arrière. On va attendre, ouais. On l'a même pas touché en tant que tel. Ah, tu ça a même pas apparu ce fois-là. Achet! On va se réessayer, on va l'avoir. 38 fois! Tu vois, on a beau faire soi-même des progrès, les autres progressent aussi. Viens ici aussi souvent que tu veux en vie, je serai toujours ravi de te manquer. Bon. Oh! Oui, on recommence. On va l'avoir. On va l'avoir. On va l'avoir. Je l'avais complètement oublié qu'il y avait cette mini-game là. Je me rappelle même plus ce que ça donne. Oh, excusez-moi, mon dieu. Même au moment de te dire que tu es encore débutant. Je sais pas si on peut le bloquer. Hein. Ça a l'air que même si on bloque, Robert est comme trop slow. Il a essayé de nous faire une feinte, le petit joueur le vert. Qu'est-ce que tu fais là, Robert? Il est pogné dans le coin. On le fait sortir un peu. Là. Voyons. Il fait de la boucane, mettons. T'as l'évité pas à peu près. Ouais, non, pourquoi ça le fait pas que je peux sur up et tout ce que ça fait, il dash par en arrière. Il nous touche jamais habituellement, puis ça nous touche pareil. On t'a le surpris pas à peu près là. On pourrait faire les 100 coups juste en faisant du counter-attack, sauf que là ça prendrait une éternité. T'en as qui s'en va tout le temps d'un côté. Bon, je sais pas encore, je vois, je pèse des dash par l'arrière à la plate. Peut-être même parce que. Je tiens par en arrière, c'est bon. Comme j'aurais été pas mieux tenir par en arrière. 84 fois. Come on, non, voilà, ouais, voilà, ouais. Oh! Oui, je suis prêt. Mollaway. Mollaway. Ah. Pourquoi c'est pas aussi dur que Metroid Zero Mission quand je bats le dernier boss. Hein? Ça sera jamais aussi dur que ça. Dans toutes les let's play que j'ai faites, si vous voulez voir le bout le plus dur dans toutes les let's play que j'ai faites, là, regardez mon let's play de Metroid Zero Mission. C'est pas mal ça. Surtout j'aime mieux l'esquiver que d'essayer de... Et d'essayer de le counter-attaquer. Ouais, rien dans le milieu, pas fait. Bon, ouais, pff, il était à l'autre bout du monde, là, franchement. Ah, aucun rapport. Je vais jouer carrément counter-attaquer, là. Tiens, on va l'envoyer de l'autre bord.
On ramène un millier. Là, il va pas vraiment. Viens. Pas plus long que ça. T'en as quand tu bloques. Ouais, ouais, pas peu, pas peu. Y'a pas de visu, ben, même, attends. Ouah! On l'a eu de justesse, là. Yeah. Ouais. Anyway. Elle dit qu'on a l'air de le surprendre pas mal. Non, là, ouais. Je sais pas combien qu'on peut se rendre, là. On va voir ça. Peut-être bien on va battre un record mondial aujourd'hui. Je suis pas en revin gros. Mais c'est sûr qu'il doit y avoir des vidéos du monde qui se rendent jusqu'à 999 ou quelque chose du genre. Est-ce qu'on va arrêter mais qu'il se décide d'arrêter lui? Là. Je sais pas quand est-ce que ça va être, là. Probablement même qu'il nous touche. Non, ouais, amène-toi dans le milieu. Là. Ça n'a pas l'air de faire du bien, pas à tout ce qu'on est en train de faire. Yeah. Hein, vous pensez que je me faisais avoir là? Hein? Ah, yeah, c'est assez. Assez! Oh oh, 140 fois, tu dois faire de sacrés progrès, dis donc. J'ai eu tort de dire que tu n'étais encore qu'un débutant. Tu es pas un débutant. Tu es un tout petit poussin tombé du nid. Bon. Tiens, poussin, ça n'est pas grand chose, mais on porte toujours ceci. Ok. Un rubis violet. Oh. Bon, on va commencer à en aller. Je sais pas si on peut continuer sans genre en faire un, s'il nous dit il y a 200, tu vois. Tu es dans le cas d'un petit poussin. Là, ça va changer de rang peut-être à chaque fois, je sais pas. Peut-être faire ça plus tard, on reviendra plus tard. Pour l'instant, on va aller chercher ce du coffre là qui est Cœur Robert depuis sa jeunesse. C'est bon? Si tu es prêt, nous partons. Nous pouvons partir à la recherche de la caverne où se cache Jabu derrière l'île. Ok. Let's go! Ok, parfait, c'est là qu'on va. Quand c'est là, c'est quand il y a des vagues de main que je vous disais que c'est un petit peu plus dur à trouver. Bon, lui, c'est sûr qu'il disparaît pas assez vite, fait que ça paraît pas bien même, mais... Ouais, vous allez voir avec les autres que je vous parlais qui disparaissent vite, là, ça va être... Ça va être quelque chose. De l'argent! Eh oui, il y avait 50 rubis, Robert. Depuis des années, tu regardais à 50 rubis qui riaient dans la rivière. Qu'est-ce que... Ça peut pas tout être... On n'est pas tout choyé. Ok, tape. Faut que je sorte. Oh, je suis... C'est bon, j'en ai rien dessus. Absolument qu'il y a des tourbillons de même, là. C'est mauvais augure. Là, la caméra se lock en plus. Ah, ouais, ouais. Ah, finalement. Piu! Piu! Avec le stade, c'est à ça que ça va servir, les 99 bombes qu'on va avoir utilisées. Bon, toutes les bombes qu'on va utiliser lors du jeu, là, ça va être des phénomènes. On leur pointe pas pendant tout, on va attendre d'être plus proche. Piu! 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 Pas obligé de me montrer à 4-5 qu'il y en a la moitié qui se détruit. Laisse-moi tirer, merde! Non, oui, mon dieu, le nombre de frames par seconde diminue pas mal dans ce bout de site. Et on l'a eu. Grosse musique tragique là, pour une grotte. Là. Où est-ce qu'il avance le bateau en fait? Là? Pas capable de le faire avancer de même. Mais bon, qui suis-je pour savoir tout ça? Hmm. Eh.
Monsieur, c'est le grand Jabu, ça? Je comprends rien. Cela fait si longtemps. Oui, je suis heureux de te voir, que tu es en, que tu es sain et sauf. En effet, il semble que Ganon soit de retour. À vrai dire, ce n'est pas tout à fait cela. Le jeune garçon que j'ai amené avec moi n'est pas le héros de la légende. Mais j'ai foi en son courage, je crois possible. Bon. Oui. On comprend rien, mais ça a l'air d'être correct. Je sais pas si tu mets. Il nous a donné la pierre! C'est lequel ça déjà? La pierre de Nairu! Ce joyau divin vous a remis par Jabu l'esprit de l'eau. Parfait. C'est que tout est réglé. On va s'en aller. On n'a rien compris. C'est donc bien la malédiction de Ganon qui fait tomber les pluies funestes et empêche le jour de se lever. Ce sinistre individu a sans doute décidé de plonger notre monde dans les ténèbres. Je le crois, oui. Hey, Link et Robert, il y a de l'air... il y a de l'air complètement... je comprends rien. Non. Mais bonsoir, on est parti. Ça, c'est des textes-là, en fait, on peut y voir si on a déjà fait le tour. Le pouvoir de la perle de Jabu a enrayé la malédiction de Ganon. Le jour devrait bientôt se lever. Tu as en ta possession toutes les perles. Es-tu prêt, Robert? J'ai indiqué sur ta carte les endroits où tu dois apporter les perles. Quand tu auras apporté une perle sur chacune de ces trois îles, l'endroit où tu devras montrer tout ton courage sera révélé. La retraite de Jabu montre à elle seule que Ganon est bien décidé à nous barrer la route. Nos soucis ne font que commencer. De plus grands dangers nous guettent. Fais vite ce que tu as à faire ici sur l'île d'Aurore pour ne pas avoir de regrets plus tard. Ok. Essaies-tu de me faire sentir mal, là? J'aime même pas de choquer ce fois-là. Mais, ça me semble bien. Eh oui, envoyez le vent dans le mur. Imaginez-vous donc. Eh oui, hein, c'est carrément ça ce que je pensais. Alors, j'aimerais ça sortir de ça, là. Faut juste sortir de là. Ah oui. Ah, il y a un autre coffre là-bas, on va le laisser faire, lui. Là. Il est loin pas mal. Allez, bonsoir, on est parti. On l'avait pas nourri, lui, c'est vrai. On va le nourrir, même s'il n'y a rien à dire. Yeah. Plouche! Yeah. Ah oui. Donne-nous des informations. Et plus vite que ça, merde! Salut, petit gars! Pff, toujours la même popote. Tu pourrais faire une affaire. C'est bon, j'apprête mes infos, mais c'est bien parce que c'est toi. C'est la première fois qu'on lui donne à manger, puis il chiale. J'ai entendu dire que sous une grosse roche, sous un gros rocher situé en haut de l'île de l'or, il y avait un trésor fabuleux. Il semblait que c'était la tribosse d'or, mais il paraît que j'ai mal entendu et que c'est la triforce qu'il s'agit. Ou d'un morceau de la triforce, un truc comme ça. J'étais pas loin quand même. Tribosse, triforce, c'est pareil. C'est tout pour les infos. Et si tu n'es pas content, petit gars, c'est le même tarif. Adieu. Bon. Hey. Qui vient d'allumer, c'est la Triforce, pas la Triboss. Mettons qu'on le savait déjà, là, mais bon. On y avait-tu été, là-bas? Non, on va aller là-bas.
D'un coup, que quoi donc? D'un kick, que quoi donc? Je sais pas si on perd ben de la vitesse en s'en allant dans cette direction-là. Hein. C'est pas grave. Je veux aller là, moi. Elle dit que le petit flash des vagues de même en arrière de nous autres, ça vaut à peine de payer le prix de ces petits flashs-là juste pour pas avoir avoir les maudits bugs. C'est quoi que ce style-là? Je m'en rappelle plus. Ça me semble une mauvaise augure. Hop, c'est un sous-marin que je vois là? Si c'est un sous-marin, on va y aller. Parce que moi, les sous-marins. Hein. Poisson, on va aller chercher après. On va chercher ce coffre-là tout de suite. Bon, ça, on va virer le banc devant le bord. C'est un sous-marin, sinon, oui, on va y aller. On va le conquérir. Puis ça, et toi aussi. J'ai dit que ça te m'aibrait quand tu quand on utilise un offre de main. Avec de l'argent, toujours de l'argent. Pas rien que ça dans la vie, de l'argent. Et les femmes aussi. Les anime girls plutôt pour moi, mais bon. Il n'y a pas grand monde qui partage ce sentiment-là. On va nous ça au sud. La flèche a comme tourné de base, vous avez-tu remarqué? Ah oui, sur le sous-marin. Ils ont pas fait une musique là-dessus? I'm on my submarine and I just sing the song. Non, je viens d'inventer ça là, écoutez pas ça, c'est une niaiserie là. Ça existe pas là. Ceci est un trucage monté, ne croyez pas ça à la maison. Oh, wow, ils nous ont sacré direct en bas. Hey wow! Wow! Qu'est-ce que vous foutez, merde? Bande de... T'as peu, ouais. Ça marche pas sur eux! Ça marche pas! Tiens, ouais. Hey, t'as ton patin! Encore là. As-tu d'autres domaines qui envolent là? Ils m'ont montré, mais c'est qui le patron? Ouais, hey, j'ai-tu pas fait exploser la tronche un peu? Et viens-tu à l'infini? Il y a de là d'en avoir de moins en moins. Pas si c'est moins. Hein. Il y en a plus, je pense. Ah. Oh. Oh. Hey. C'était peu, hein? Oh yeah! On a vaincu le sous-marin de rats. C'était des rats de la pire espèce. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'on va trouver? Qu'est-ce qui se couche? Une carte au trésor. On marque pas mal ça qu'on va trouver tout au long du jeu au lieu des fragments de cœur, je vous avertis. Hein. La seule affaire qu'on trouvera pas, ça va être des cartes dans les coffres qu'on va utiliser des cartes pour trouver des coffres. C'est pas mal ça qui va arriver. Arrêtez de me foutre! Hey, je suis foutu fini de me... de maudite gang de bombes! Hey! Bon, c'est assez. Je vous niaise. Je suis pas sérieux dans mes propos, là. Il me semble qu'elle est mal faite, cette chose-là. Ah, on va sortir le sous-marin infâme. Bon, on va aller voir ce titre-là. Hein. Ça me semble de mauvais augure. On est pas au poisson. Au fish and shop. C'est pas passé grand chose dans, c'est pas passé grand chose dans cette vidéo-là. Hein. On a battu Orca. Il a été chercher la pierre d'Adjabu. Il est passé où? Il est bien loin, non? Ok, ça, je pense que ça, là, je pense qu'on peut pas venir ici tout de suite. On va aller faire un tour dessus, mais on va arrêter là, mais c'est pas mal tout ce qu'on va faire. Qu'est-ce que ça nous dire, toi? Alors, c'est quoi les infos? T'as de nouvelles sur la bande de gang? La bande de gang, ouais, bon.
Je t'écoute, je suppose que tu veux que je te complète ta carte. Déplie ta carte. Pas pire. À date, il n'y a pas encore une des cartes qu'on a eues qui a été bien utile. Eh bien, petit gars, tu aimerais bien rentrer dans l'armée, dans la grotte qui est bouchée par la lourde rocher, hein? Bon, je vais te donner un super tuyau. Il y a 4 au nord et 3 à l'est. D'ici se trouve la montagne de feu. Si tu y trouveras un objet qui te donnera de la force de soulever n'importe quoi sans le moindre effort. Cet objet te permettra d'entrer dans la grotte. C'est tout pour les infos. Si tu veux, et je répète, viens me voir, ça va me faire plaisir. En attendant que tu payes le café, ça va être correct. On va aller que voir ce qu'il dit, on peut pas rentrer à cause de... Maudite affaire. Fait qu'on va se changer le vent de direction. Bon, on va arrêter la vidéo là. Adonore tout! Non. Vous vous rappelez bien là. Quand je dis Adonore là. Bon, fait qu'on va se laisser là-dessus. À côté de ces merveilleux rubis là qu'on pourra pas aller chercher. Fait qu'on va se laisser là-dessus. Merci d'avoir regardé mon vidéo et à plus tard.